Est-ce là une nouvelle règle? C'est une variante européenne. Aroko. C'est intéressant. Mais il est injuste de ne pas suivre les mêmes règles que ton adversaire. Tu pourrais changer d'avis une fois sultan. Tu préfères comme cela? Suleiman, je sais qu'il n'a pas été facile de nous voir nous disputer le trône de Bayezid, ton père et moi. Grand-père t'a choisi, et sa parole est loi. Que puis-je redire à cela? Ton père et moi étions proches autrefois, mais sa cruauté et son ambition m'ont peut-être... Oui, j'ai entendu les rumeurs, mon oncle. Bien. Il faut que je me rende à une réunion des vizirs. Nous continuerons une prochaine fois. Quand tu le voudras. Ezio. Tarik vend des armes à un riche notable. Manuel Palaiologos. Palaiologos. Un nom si funeste. Le dernier empereur s'appelait Constantinos Palaiologos. Si ses descendants arment une milice, ce conflit va dégénérer. Tarik connaît la destination de ses fusils. Si je le retrouve, je n'aurai qu'à suivre les armes jusqu'aux Byzantins. Il est avec ses janissaires dans leur caserne. Si tu veux réussir à y entrer, tu devras te faire passer pour l'un d'eux. Rien de plus simple. Bien. Soutire-lui l'information. Puis élimine-le. En es-tu sûr? N'as-tu pas dit que Tarik et ton père étaient amis, Suleiman? En effet, mais une trahison si flagrante envers mon grand-père mérite la mort. Intesi. Écoutez-moi, l'un des nôtres a été retrouvé sans vie il y a moins d'une heure, dépouillé de ses vêtements et abandonné au vautour. Soyez vigilants lorsque vous patrouillez les rues. Quelqu'un se fait passer pour l'un des nôtres. Tenez-vous prêts. L'armée de Selim s'est repliée sur Varna. Elle a subi de lourdes pertes. C'est incroyable, non? Pourvu que ce conflit s'achève sans tarder. Oui, mais au profit de qui? Je l'ignore. Mon cœur est acquis au sultan, mais ma tête préfère Selim. Tarik, un message pour toi. Quelle bonne nouvelle. Les fusils sont arrivés en Cappadoce, là où Manuel a envoyé son armée. Et nos hommes, sont-ils encore avec lui? Oui. Ils nous préviendront dès que les Byzantins lèveront le camp. Nous irons les accueillir à leur arrivée à Bursa. Tout se déroule comme prévu, Efendim. Oui. Pour une fois. Avec les ennemis du sultan. Que croyais-tu qu'une telle trahison provoquerait? Je suis coupable. Pas de trahison, mais d'orgueil. Je préparais une embuscade pour frapper les Templiers là où ils s'y attendaient le moins. Peux-tu prouver ce que tu affirmes? Regarde. Ceci te conduira aux Byzantins, en Cappadoce. Détruis-les, si tu le peux. Tu as été loyal, Tarik. Pardonne-moi. Protège ma terre, assassin. Allah Ashkenan. Sauve
l'honneur que nous avons perdu dans ce combat. Tariq, on n'est pas en forme aujourd'hui ? Pas normal, si on sort depuis... Pourquoi c'est bien ? Tariq n'était pas un traître, Suleiman. Lui aussi traquait les Byzantins. Pardon ? Et tu l'as ? Je suis désolé. Dieu me pardonne. Je n'aurais pas dû le juger aussi vite. Il fut loyal à ton grand-père jusqu'à la mort. Grâce à son courage, nous avons une chance de sauver ta ville. Pourquoi s'entourer à ce point de mystère ? Quelle triste manière d'accomplir un tel acte. Les armes sont en Cappadoce. Peux-tu m'aider à m'y rendre ? Oui, bien sûr. Je vais faire affréter un navire pour... Suleiman ! Suleiman, on m'a tendu un piège, pour que je passe pour un traître. Tu te souviens de Tariq le Janissaire ? L'homme avec qui tu t'es querellé ? Il a été assassiné. Tout le monde était au fait de notre discorde. Les janissaires m'accuseront fatalement de ce crime. Quelle terrible nouvelle, mon oncle. Quand mon père en sera informé, il me fera bannir de la ville. Ah, pardonne mon intrusion. J'ignorais que tu avais de la visite. C'est Marcello, l'un de mes conseillers européens à Kefe. Buonasera. Marcello. Je dois m'entretenir d'affaires privées avec mon neveu. Allez-y, je mettrai un bateau à votre disposition pour votre périple. Grazie, mio principe. Nous traquerons le responsable de ce méfait, mon oncle. Soyez patient. Qui étaient ces hommes condamnés à l'enfer ? Des opposants. Des ennemis politiques. La plume de Dante est acérée comme une lame, non ? Si. C'est une habile manière de se venger. Ezio. Je dois me rendre à Adrianopoli d'ici quelques semaines pour visiter une nouvelle imprimerie. Tu vas t'y amuser. Je crois que c'est à 5 ou 6 jours d'ici. Et il me faudra une escorte. Prego. Oh, pardonne-moi, tu es déjà bien occupé. Sophia, je serais ravi de t'accompagner, mais mon temps est compté. C'est notre lot à tous. Je peux essayer de déchiffrer ce dernier code, mais j'ai une course à faire avant la nuit. Peux-tu attendre demain ? Que dois-tu acheter ? C'est idiot, mais un bouquet de fleurs fraîches. Des tulipes blanches, pour être exact. J'irai chercher tes fleurs. N'est-ce pas le problème ? Tu en es sûr ? Oui, ça me changera les idées. Bene, retrouve-moi dans le parc à l'est de l'Hagia Sophia. Nous troquerons fleurs contre informations. Un homme avec de l'argent plein les poches, qu'est-ce que ce sera, mon ami ? Des tulipes, blanches, si possible. Ah, des tulipes. Pardonnez-moi, mais je n'en ai plus. Autre chose, peut-être ? J'ai eu des instructions très précises. Écoutez-moi, je sais où trouver des tulipes fraîches. Attendez-moi ici, je reviendrai dans 1 heure. 2, tout au plus. Je ne vais pas attendre 1 heure. Qu'est-ce que c'est ? Un cadeau. Viens. Qu'est-ce
Che belli, grazie. Je voulais te remercier de me laisser jouer un modeste rôle dans ton aventure. Mieux vaut que ton rôle reste modeste, crois-moi. Tu es si mystérieux, Ezio Auditore. Mi dispiace. Ce n'est pas mon intention. Ce n'est rien. Et affascinante. Sembra squisito. Merci beaucoup. As-tu décrypté le dernier code? Ah, le code, si. Je l'ai déchiffré il y a un bon moment. Tu l'auras bientôt.
Ils disent qu'il hurle dans son sommeil, qu'il appelle son père. Abbas, quelle misérable vipère. Ce n'est pas à nous de juger. Mais bien au contraire. Si notre maître est fou, nous devons le savoir. Chut. Bonsoir. À boire. Bien sûr. Assieds-toi. Je te remercie. Qu'est-ce qui t'amène ici, vieillard ? Abbas inspire la pitié, mais pas le mépris. Il a vécu une vie d'orphelin, tant sa famille l'a couvert de honte. S'il cherche tant le pouvoir, c'est parce qu'il n'a rien. C'est notre mentor. Et au contraire d'Al-Mualim ou Al-Tahir, lui ne nous a jamais trahis. Mensonge ! Al-Tahir n'était pas un traître. Il a été chassé. Injustement. C'est toi ? Il y a eu des rumeurs, mais je n'y ai pas cru. Je me demande si Abbas accepterait de me parler. Cela fait si longtemps. Impossible. Abbas utilise les Fedaïn pour nous tenir loin du château. Moins de la moitié des guerriers sont de vrais assassins. Alors, comment dois-je m'y prendre ? Nous t'aiderons. Vous dites que ces hommes sont cruels. Leur arrive-t-il de s'en prendre aux innocents ? Hélas, oui. Seule la brutalité semble les satisfaire. Alors ils vont mourir, car ils ont bafoué nos principes. Mais se rester fidèles à notre credo seront épargnés. Tu peux nous faire confiance. Tu as entendu ces histoires qu'on raconte au village ? Sur Abbas, c'est un cauchemar ? Non. Sur Al-Tahir. Qu'est-ce qu'on en dit ? Il paraît qu'un vieil assassin a sauvé la vie d'un marchand dans la vallée. Et qu'il s'est servi d'une lame secrète. Des rumeurs, je n'y crois pas. Quoi qu'il en soit, pas un mot à Abbas. Il se sent déjà assez persécuté. Va-t'en d'ici ! Suivez-moi à la forteresse. Ne tuez qu'en dernier recours. Al-Tahir, deux décennies se sont écoulées depuis que tu as franchi cette porte. Nous avons besoin de ta sagesse. Plus que jamais. Tuez-le ! Tuez-le, vite ! Mais enfin, qu'attendez-vous ? Imbécile ! Il vous a ensorcelé ! Notre mentor est revenu. Mes respects, mentor. Pour Abbas ! Je combats pour toi. Là ! Je veux la voir ! Pour notre ordre. Non, non ! Mentor. Nous t'attendions. Al-Tahir, sois le bienvenu, mentor. Al-Tahir. Dis à tes hommes de se rendre. Non. Je dois défendre Massiab. Ne ferais-tu pas de même ? Tu as corrompu tout ce qui nous était cher et perdu tout ce que nous avons gagné. Tu as tout sacrifié sur l'autel de ta rancune. Et toi ? Tu as perdu ta vie à contempler cette pomme, préoccupé par ta seule gloire. C'est vrai, Abbas. J'ai beaucoup appris grâce à la pomme. Sur la vie et la mort, sur le passé et l'avenir. Laisse-moi te montrer. Toujours, Al-Tahir, pour tes mensonges sur ma famille,
sur mon père. Les humiliations que j'ai subies. J'ai dit la vérité, Abbas. J'avais 10 ans quand ton père s'est présenté à moi. Il était en larmes. Il m'a supplié de le pardonner d'avoir trahi ma famille. Puis il s'est tranché la gorge. J'ai regardé son sang couler à mes pieds. Jamais je n'oublierai cette image. Non! Mais ce n'était pas un lâche, Abbas. Il a racheté son honneur. J'espère qu'une autre vie nous attend. Je le reverrai. Et je saurai enfin la vérité sur sa mort. Et quand ton heure viendra, nous te trouverons. Et le doute fera place à la certitude. Malgré les années, il a continué à se battre pour maintenir l'unité de notre ordre. Dans ma jeunesse, je l'aurais pris pour un entêté, mais aujourd'hui j'admire son courage. Les assassins étaient toute sa vie, et il n'a vécu que pour eux. Saïn Auditore ! Le bruit court que tu t'apprêtes à nous quitter ! Rien ne reste secret ici. Sois tranquille, mon frère. Le capitaine du bateau est un ami. Mais vous n'êtes pas encore prêt à lever l'ancre, crois-moi. Les janissaires ont tendu une chaîne sur l'embouchure du Halych. Ils vont maintenir le blocus jusqu'à ton arrestation. C'est en mon honneur qu'ils l'ont fermé? Nous fêterons ça plus tard. Tiens, ceci est pour toi, Ezio. Attention, elle est 50 fois plus puissante que tes bombes normales. Bene, je sais quoi faire. La tension est à son comble. Yusuf, attends. Un favore. Je t'écoute. Il y a une femme qui tient une librairie dans l'ancienne boutique de Polo. Sofia. Veille sur elle. C'est une femme exceptionnelle. Je te donne ma parole. Réunis tes hommes. Je m'occupe de la diversion. Ton bateau. Alors tu t'en occupes. Nous nous chargeons des quais. Yanlış yaptın ahmak. Baştan başla. Ton approche n'est pas très subtile. Non. C'est...
Désolé pour le retard. Ça t'arrive d'avoir des regrets, Desmond? Quel genre? T'être enfui. Avoir abandonné tes parents, t'être trouvé un boulot merdique et faire comme si ça avait un sens. Ça fait quoi d'avoir passé toute sa vie à fuir les vraies décisions capitales? Arrête. D'accord, t'es un assassin. Mais c'est pas toi qui as choisi. Où tu veux en venir? Je veux savoir... si tu as des regrets. Bien sûr. Je m'en veux de ne pas avoir été assez patient avec mes parents. J'aurais dû écouter. Puis, Lucie. Les choses auraient pu être différentes si j'avais... Je sais pas. Je te remercie. Pourquoi? Pour ta franchise.